Bonjour mesdames, bonjour, bonsoir. À demain, qu'on attend de nous, qui l'attend de nous. Et Jean-Aubert Fidi m'a salué nous depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC. C'est un plaisir pour m'avoir nous encore. Une fois, je vous dis, c'est mercredi et 9 août 2023. Donc, monsieur, que vous passé un bon week-end, que vous passé une bonne nuit tout. Et c'est raison ça qui fait quoi avec nous. En tout cas, actualité à ce plan international, de ce Niger-là, et. Pas bouger, gens que responsables t'a espéré, ou bien communauté internationale t'a espéré. États-Unis dit qu'il y a tout l'espoir que le président déchouqué Niger là, capable de retourner dans la place. Et M. Mohamed Bazoum, mais il dit qu'il faut tenir compte de la réalité. La réalité, c'est ça, les militaires sont tous au pouvoir, ils ferment l'espace aérien, et eux-mêmes, pas. Voulez rencontrer avec les missions ou bien encore délégation et qui vient là dans les pays et bloc économique Afrique de l'Ouest là, donc pays CDAO et puis il y a tantôt Union africaine avec ces trois délégations liées. Et puis, donc, il y a la délégation diplomatique qui vient pour venir, ou est-ce que tu vas prendre tête militaire, puis tu es capable de retourner le pouvoir par le gouvernement et le président élu. En tout cas, et monsieur, pas marché dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que le bloc économique est tombé en bas. Plus sanctions, monsieur militaire. Mais, et là, il a rappelé que vous nommez déjà un nouveau premier ministre. Et qui pour faire pouvoir le gouvernement marcher. Et puis là aussi il dit que les écrasés deux drones ukrainiens qui allaient tout près qui allaient taper des têtes vers dans direction Moscou. En même temps tout gros explosion inconnue qui fait tout près dans une usine tout près capitale et la Russie et Moscou. Et sans parler, nous avons parlé de peut-être ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et bien, dans le pays d'Haïti, d'abord, nous avons parlé de pays concernant les forces multinationales que Kenya est capable de prendre tête à condition que j'ai une autorisation des Nations Unies. Et bien, il y a un pays qui est comme nous, en fait, qui est comme nous, même les sorties ou notes pour lui battre bravo. Pour décision Bahamas avec Jamaïque pour yo même tout yo fait partie dans force qui peut aller en Haïti donc y a voyé et soit soldats ou bien police qui pour faire partie force ça pour aller croiser et pour aller battre en fait pour aller établir sécurité maintenant yo essayer croiser Negame qui ont même assumé la terre dans la capitale là, actuellement Negue a assumé la terre surtout dans la zone tabac, tout près ambassade américaine. D'ailleurs, c'est raison que fait actuellement ambassade américaine les limiter services li, que la baie population seulement yo quitte aussi un petit parti dans service a fonctionné et pour une sécurité yo ferme puis fond dans service c'est seulement et service limité que ambassade américaine. D'ailleurs dans le département d'état même dans avis de voyage et bien Haïti toujours sur liste et numéro 4 et ça veut dire que avis a eu de pas voyager parce que États-Unis ambassade américaine en Haïti capable pas de moyens pour libre assistance sous la nécessité pour une assistance. Donc monsieur Gang vite leur mieux surtout il continue à occuper zone tabac là et ça va passer à ambassade à tout prison dans tout et bien prison ça pour limiter pour éviter problème et bien il fait mon service mais il l'ouvre quand même pour des services vraiment très limités à citoyens américains. Par exemple si vous en Haïti ou besoin passeport très certainement service ça disponible pour mais et l'autre service par exemple ou pas qu'à et monde pas qu'à demander l'ambassade encore et cela veut dire que c'est jusqu'à et nouvel ordre et puis il y a CARICOM qui dit tout le même dit souhaiter que l'ONU a approuvé demande a approuvé et envoie une force multinationale en Haïti. Il souhaite que l'ONU, parce qu'il y a un conseil de sécurité qui peut approuver lui, parce que les États-Unis avec Équateur qui peut représenter, soumettre une résolution par le conseil de sécurité
et Kylian va décider, mais Kenya a dit que lui-même dit pas parler en Haïti s'il n'a pas une permission des Nations Unies. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même tout, qui est pour faire un rapport avec le Conseil de sécurité pour dire qui j'en ai eu force là et qui vision que le gain de force multinationale ça qui vient pour aller en Haïti. Gain Kenya tout, qui lui-même propose d'être lui comme pour le dire une mission multinationale, une mission internationale et pour aller en Haïti. Et Kenya lui-même dit pour le voir en Haïti une délégation pratiquement et d'ici 19 août et délégation station soit délégation pour évaluer terrain et les retourner eux-mêmes pour dire exactement mais qui ça ouais mais qui en situation est mais qui ça a besoin pour remplir mission ça maintenant pour te coller avec l'autre pays qui voulait participer dans une telle mission gagner tout et il y a une grosse discussion qui a fait tout et entre-temps, entre supporter et Premier ministre Ariel Henry qui voulait que le Premier ministre dirige le gouvernement avec une tête, avec lui-même comme Premier ministre et président. Donc le gouvernement a une tête, après seulement le Premier ministre comme chef. Mais il y a tout l'autre monde qui supportait l'autre branche là, l'autre courant d'idée, c'est Monaco Montana. Et bien, il y a même supporté une idée pour bon. On pouvoir exécutif à deux têtes, maintenant il y a un premier ministre avec un président qui pour mener le pays à l'élection. Donc discussion ça a continué entre les deux parties jusqu'à présent par Nexoti et États-Unis même été sous tout jusqu'à avant même que force multinationale ça travaille en Haïti pour que acteurs qui concernent sous terrain eux-mêmes travaillent une entente sous situation qu'ils aient qui j'en voulu pour qu'ils aient des résoudre plus capable et jusqu'à ça et qui j'en parle pour avoir les élections. La force multinationale la libérale en Haïti c'est d'abord pour établir sécurité pour parler terrain pour permettre que élection capable de dérouler dans le pays pour que l'institution démocratique retourne. Et puis nous connaissons nous parlons de Chantland et puis il y a une infirmière américaine que et nèg a été kidnappé dernièrement avec un petit monde et bien et nouvelle rapporté en fait une chaîne de télévision américaine même rapporté que et infirmière là libération donc c'est avec en plus joie au cas où que comment monde qui des même manifestation monde qui fait manifestation pour demander libération et bien nous pas top détails sur libération sur libération qui fait avec rançon nous pas connaître mais l'essentiel les libérer les infirmières là jeune libération et puis OK. Et puis on a parlé de football et puis nous avons camarade de l'autre bois Jean-Thierry Augustin avec Valé Saint-Louis actuellement monsieur T. Melbourne et je quitte Melbourne Kounia et je vais aller dans Sydney en Australie c'est Sydney et à lancer côté prochain match Colombie avec Angleterre Brésil juste après le prochain match quart de finale donc monsieur déjà en position là Kounia souterrain là pour yo capable porter ban nous-mêmes et ça va passer entre dans la section Colombia avec Angleterre et très certainement porter ban tout réaction fanatique non donc au moins nous connaît déjà quart de finale il a démarré demain jeudi à 6 jours pour le reste joueurs qui partent qui pas qualifié pour quart de finale là c'est joué à la caillou et c'est joué tout pour jouer l'autre équipe qui gagne l'autre équipe déjà là côté au bras je passe c'est à dire que coupe du monde a déroulé dans deux pays c'est Australie avec Nouvelle-Zélande donc il y a un match quart de finale donc cap dans Nouvelle-Zélande par exemple demain il y a un match c'est pour un match qui vient pour demain et c'est un bel match entre deux superpuissances football européen football féminin surtout et mais c'est va l'Espagne qui va rouler ballon face à la Hollande. Cependant, la continuer vendredi tout, a gagné un autre match. Et puis samedi, a gagné deux matchs qui pour clôturer quart de finale là. Et après ça, nous pourrons passer dans la phase. C'est une finale, pas oublier, Coupe du Monde là. L'a déroulé le 20 août. C'est pour un nouveau champion qui a gagné parce que les États-Unis qui cherchent champion en titre là. Les États-Unis éliminés depuis un an et huitième de finale là. Et c'est l'équipe de la Suède qui est éliminée, l'équipe américaine. Puis dans un petit championnat, les moins de 15 ans, masculin, qui a déroulé dans la République dominicaine, parce qu'il y a dans San Cristobal, avec Santo Domingo, et l'équipe américaine a troncé Haïti 3-0.
Mais malgré ça, malgré les faits là, Haïti toujours qualifié pour quart de finale compétition. Ça va empêcher que Haïti qualifie malgré que le perdu devant les États-Unis 3-0 et Haïti était déjà calé Cuba 3-1. Ensuite, il y a calé Qatar qui sont invités spéciales 1-0. Et deux victoires, ça a été déjà par Haïti, un ticket pour le quart de finale là. Mais il y a eu un match face à l'États-Unis, les États-Unis ont marché sur eux, ils ont calé 3-0. Donc, monsieur américain a déjà qualifié tout ensemble avec Haïti. Donc, nous allons traverser une phase. Le quart de finale, c'est la prochaine phase, ou bien deuxième tour. Compétition U15 et pour région. En fait, comme les États-Unis l'ont donné pour zone. Donc, on a parlé des États-Unis actuels et d'Haïti, et pour champion, c'est champion titre et Union Football Caraïbes, là, que les CFU. Et puis, samedi 12 août, là, c'est la funéraille journaliste et Liane Pierre-Paul. En fait, c'est funéraille là-bas, et contrairement avec Samoun Tapatan, et puis funéraille là-bas déroulé dans le parc Saint-Thérèse. Donc, nous avons pour qui ça? Donc, c'est un grand pile de monde qui a venu à la funéraire avec la famille pour prendre des précautions. Et peut-être l'église là qui est tout prêt à la PACAP. Donc, c'est un monde qui a venu, donc il a fait lui dans le parc Saint-Thérèse. Donc, il y a un peu pas la matinée et samedi. Mais pas une nouvelle, pas dit exactement, non, mais sûrement, il connaît que funéraire là, l'a acheté dans le parc Saint-Thérèse samedi 12 août 2023. Mais bon, salut nous, je suis passé une très bonne journée. Et je dis que Fred est là. Et nous sommes bien contents qu'il est avec nous, là-bas avec nous pendant toutes les semaines. Et puis, Rodriguez là, tout le monde est là, Sandra est là, Tala, Jean-Michel, ils font passer nous tout. Donc, nous sommes bien contents de lui. Et puis, amis nous en Australie, on a parlé de. Parler de Saint-Louis avec. Et gentil Augustin Junior, et bien monsieur, bon travail, reposez-nous en même temps, nous avons une chance. Et monsieur, comme ça travaille pour nous, mais je dis encore, nous avons une chance pour nous encore en direct depuis Australie. Et très certainement, vous préparez quelques reportages pour nous tous, au moins pour nous, c'est pas un football, mais il y a pas une activité qui gagne en Australie. Nous faisons connaissance avec Australie, tout, comme c'est la Coupe du Monde, nous faisons connaissance avec. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Moi, je suis content de parler avec vous encore. Non, encore demain, encore, pour l'autre petit cause encore, sur ce qui a passé, sur les grands points qui sont censés dominer l'actualité. Nous avons dit que le président Joe Biden trouve actuellement sur le côté ouest, côté de la faire promotion pour la faire climat. Et puis, nous sommes menacés toujours, sous menace. Nous sommes sous menace chalet, mais nous sommes menacés toujours. Nous avons fait des tempêtes qui étaient menacées. Nous, là, tellement vrai que le gouvernement fédéral est obligé de fermer lundi. Après-midi, et pour te permettre tout le monde d'entrer la caillou, plus bonheur que possible, parce que cette tempête-là a vraiment annoncé des dangers même, et pour te protéger tout le monde avec le management ou bien encore et agence qui occupe la gestion et bureau fédéral, ils ont demandé tout le monde pour être à la caillou, mais c'était lundi. Mardi, il y a des menaces quand même, mais menaces attendent des gros moindres. Donc ça veut dire que tout le monde est là. Et nous tous là, je dis encore, seulement Charles allez là, MK Doukouman, je me sens qu'on y a assez de coups. Nous avons dit que cap limé sur moi là, soumettons je sur moi là, c'est à la fin. Salut tout le monde, bon après-midi. Les amis internautes qui connectent mes 5 nouvelles dans le moment avec votre calbas, c'est un plaisir pour entrer la Kainou avec tranche information qui fait ce celle la Kainou en Haïti pour jeûner. Ancienne première dame Namati Moïse a lui-même a pas répondu à l'invitation. Juge instruction Martel Jean-Claude Genève a dit 8 août 2023. Juge Martel Jean-Claude Cap instruit dossier assassinat. Montferrier Dorval en sébastonné l'autre avocat Port-au-Prince. Avocat Martin Moïse, maître Emmanuel Gentil fait qu'on est. Raison insécurité à situation insécurité. C'est lui qui t'a expliqué vraiment que ancienne première dame non, il pas répondre question, mais juge Martel Jean-Claude, mais souhaitait que situation insécurité à résoudre pour que Martin Moïse qu'avait répondre question juge Martel Jean-Claude. Et responsable expliqué, nous c'est Dorvalin qui s'est mettre explique Théophile lui-même, lui clairement, lui qualifié marronnage. Un bien comportement ancien première dame Martin Moïse qui n'est même pas venu répondre question juge Martel Jean-Claude dans dossier assassinat ancien bâtonnier l'autre avocat porte-président maître Montferrier et Dorval.
Opinion partagée dans mitan divers citoyens en Pédaïti, précisément dans la capitale haïtienne, sous éventuel déploiement de forces internationales pour venir aider l'État haïtien à peuple haïtien en bataille contre question gang armée en dehors pays et d'Haïti. N'a dit bien que divers esquitis politiques la donne juin mouvement 29 mars qui est responsable qui c'est exactement qui c'est Réginal Dumé lui même tout le partager opinion par rapport avec question force internationale ça qui t'a arrivé en Haïti hein. Selon Réginal Dumé c'est pas force ça qui pral résoudre problème insécurité hein, mais plutôt c'est peuple haïtien qui pour gonfler venir pour bataille contre gang en dehors pays et travail pour capoter pouvoir en plaçant selon Réginal Dumé. N'a dit bien la tour gain exactement la trois présumé bandit qui ont même tombé dans boucanté coup de balle avec la police jeudi mardi 8 août 2023 dans zone Tibob qui trouvait dans bon repos quoi des bouquets Klaus Wigenski qui fête 22 janvier 1998 c'est non parmi une dans bandit ça qui dégage avec lui de l'autre acolyte lui qui perdit la vie dans boucanté coup de zame avec la force l'audio jeudi. Nous apprenons que le jeudi 8 août 2023, situation lui-même l'été est très compliquée dans la zone tabac tout près ambassade américaine selon médias en ligne qui c'est exactement Volbef Info qui fait moun connaît ça que l'été très très compliqué et pour jeudi. N'a dit bien que délégation kenyane qui t'a dû rendre dans Washington DC d'ici fin mois d'août 2023 pour aller rencontrer avec autorité américaine pour garder comment qu'ils sont capables de travailler sur éventuel déploiement force étrangère ça en Haïti. Pendant que nous avons rappelé que dans la date qui prend le 19 août 2023 qui arrive là, tu as une mission kenyane qui arrive en Haïti pour commencer de travailler avec la police nationale d'Haïti ensemble avec autorité et concernés. Environ 300 timoun ak femmes victimes de kidnapping pour 6 premiers mois de l'année 2023 dans le pays d'Haïti. Selon responsable de l'UNICEF, dans un pile cas bandit kidnappé timoun ak femmes pour réseau financier ak l'autre moyen, zak sa yo kite gros dommages psychologiques sous catégorie citoyen sa yo. La police nationale d'Haïti a annoncé la reposer la patte sous deux gros membres à 400 Marozo, dans quoi des bouquets parmi eux, Jean Pradel Anaxé, qui a 74 l'année, qui a très bon rapport avec Lamoine Sanjou qui a dirigé base 400 Marozo. Citoyen ça, qui s'est un retraité américain, joué plusieurs rôles, tant que responsable payroll dans base à 400 Marozo. N'a dit bien point ça ak divers lots pral fait essentiel notre cache nouvelle ça sous mes sac nouvelle ak Vol Kalbas info rete branché n'a retourner pour développement information ça yo. Fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons pour qu'une carte rentre la canon avec tranche information. Ça sous mes sacs nouvelles à Vol Kalbas info que nous avons suivi à regarder tranche nouvelle. Ça, mais laissez-moi dire que ou même si vous abonner avec Chanel Sayo, courir vite faire ça, partager vidéo ça, like, li, quitte au commentaire. Ça aide la communauté à lui-même, li grandit en pile. J'ai annoncé l'an titre journal l'an, qui ancienne première dame nan
Martine Moïse, veuve de Marie-Lise Jovenel Moïse, qui par répondre invitation, juge instruction, Martel Jean-Claude. Les mêmes cap instruits de ces assassinats, ancien bâtonnier, l'autre avocat, bah, au Port-au-Prince, qui c'est Montferrier d'Orval, qui était petit la ville en Babal Bandi, na date qui était 28 août 2020, passé à la Kalina Pèlerin. Avocat Martine Moïse, dans Emmanuel Gentil, fait qu'on est dans micro à caméra journaliste, c'est à cause question insécurité, yon, qui fait ancien premier dame n'a pas répondre question juge non, il n'est pas présenté dans carré juge non. Je n'ai pas 18 août 2023. Homme de loi dit souhaiter que climat sécurité établi pour que ancien premier dame n'a pas répondre question juge Martel Jean-Claude, pendant qu'il précisait que ancien premier dame n'a pas recevoir ou ensemble menace la mort. Ça veut dire que ligue en pile craintif hein, pour la ville et la vie client là. En évitant d'écouter que Emmanuel Gentil, met Emmanuel Gentil, qui lui-même, qui est avocat, ancien première dame, non, qui c'est Martine Moïse. Première dame, non, madame Martine Moïse, étant donné que c'est un monde qui était victime de Sande Kababrele, une tentative d'assassinat, dans la même période, côté que vous-même, vous mettez fin à la vie Maril, qui c'était le président Jovenel Moïse, qui mourit exactement en dans la chambre de la pendant qu'il était encore président. Donc, lui-même, il sentit que la sécurité n'est pas vraiment garantie. Ça, c'est une. Et deuxièmement, même il y a plusieurs menaces de mort sérieuses, imminentes, que lui-même l'a recevoir presque tout le temps que l'a recevoir. Donc là, pour le moment, Jean Payan est là, donc il n'est pas capable de venir répondre, magistrat, malheureusement. Mais cependant, et nous produisons correspondance, côté que nous expliquons que l'ex-première dame, non, lui-même, lui respectueuse de justice en d'un pays, et lui-même, tout, lui mettait à la disposition de justice en d'un pays, mais sauf que, petit problème de sécurité a fait que, dans le moment, ça a là, il n'est pas capable de venir répondre, et que le mandé, pour être capable de mettre invitation, hein, à une autre date pour lui, une date qui est beaucoup plus clémente, une autre date, côté que sécurité a lui-même, lui baille beaucoup plus impression que, il est capable d'inspirer, ça n'est capable de un sentiment de sécurité. Voilà, ça c'est déclaration avocat qui a défendu Martine Moïse, qui c'est maître Emmanuel Gentil, qui nous attendait là, qui lui même expliqué que raison qui fait ancienne première dame, nan, Martine Moïse, n'a pas répondre invitation, juge Martel Jean-Claude Cap, instruit dossier assassinat, et assassinat, ancien bâtonnier, l'autre avocat Port-au-Prince, qui c'est maître Montferrier d'Oval, Jean Dédia, et n'a rappelé qu'il était perdu la ville, non, date qui était vendredi, 28 août 2020 passé dans Pèlerin. Nous prenons avec détail sur ça puisque nous prenons faire un petit parler, un petit rappel sur point ça. Mais entre temps, nous venons avec responsable estricti, nous c'est d'Orval, qui c'est exactement maître Iswik Théophane. Les mêmes tout qui te répond une question journaliste en interview que concernant nous dans Voix de l'Amérique qui c'est Marcia Deville mette gain avec lui. Mais clairement dit que, eh bien, les qualifiés marronnage, mais comportement ancien première dame nan Martine Moïse qui n'a pas décidé à répondre à la question juge Martel Jean-Claude cap instruit dossier assassinat Montferrier d'Orvalan selon maître Iswik Théophane qui c'est responsable estricti nous c'est d'Orval, il fait connaître que yo même y a continué bataille juridiquement pour permettre que dossier ça l'arrivé abouti et permettre qu'avec famille proche défunt qui c'est Montferrier d'Oval, les jeunes justice li, et comme ça doit. En évitant d'écouter maître Iswik Théophane, responsable de d'Oval, pour plus de détails. Pour qu'on ait une sécurité, il y a des jeunes téléphones, type téléphone, pas de bien, mais il y a une agence de sécurité. Donc on est dans un petit peu à l'eau avec des fidèles de PIC encore, qui a arrêté dans quatre dossiers. Et que je t'en dis dernièrement, donc l'offre marronnage, c'est sa réalité, hein, parce qu'il y a trop d'indices qui méritent de bonnes. Même qui est après agi, mais encore sous comportement ancien première dame dans les mêmes qui c'est Martine Moïse, veuve de Marie-Lie, qui pas présenté dans carré juge Martel Jean-Claude, cap instruit aussi assassinat ancien Montferrier. Et Montferrier d'Orval, qui lui-même c'était ancien bâtonnier, et l'autre avocat à bas au Port-au-Prince, n'a fait un petit rappel sur la question de la mort Montferrier d'Orval. Selon ça qui dit bon côté, et selon ça qui dit en termes d'information, mais bâtonnier, l'autre avocat à Port-au-Prince, qui s'est mettre Montferrier
Ferrier et Dorval, qui étaient assassinés par un ensemble d'individus armés dans la soirée qui était exactement vendredi 28 août 2021. Qui donc vendredi, alors 28 août qui pral arrivé là, li pral fait exactement 3 années depuis que nek Axam était assassiné mon Ferrier Dorval dans Pèlerin 5 dans la résidence privée. Pendant que tape entre la Kaili, mais exactement selon ça qui dit, selon l'information yo, mon frère d'Aval qui t'a pral recevoir plusieurs cartouches devant la Kaili. N'a rappelé que mon frère d'Aval, c'était un brillant avocat. C'était un brillant avocat. C'était un intellectuel que PIA lui-même te reconnaître, que PIA te bat toute importance li. Qui t'apprend le petit la ville dans condition ça n'a dit que mon Ferrier Dorval lui-même l'était li fait dans date qui était exactement 10 juin 1956 dans zone Grande Saline département de la Tibonite payant mon Ferrier Dorval lui était mort à l'âge 64 l'année et sous tête li selon éléments information yo. C'est vrai que en pile moun qui déjà joué arrestation yo dans quatre enquête ça, OK, bon certain de ville pic d'Unes, gen en pile moun qui déjà joué arrestation yo, mais selon autorité policière yo jusqu'à présent là, selon en pile moun, y a tant que la justice haïtienne li arrêté et le poser la patte sous de moun yo même qui vraiment ta game trempé dans la mort ancien bateau l'autre avocat Port-au-Prince qui se met mon Ferrier et Dorval. Et n'a pas songé que n'a pas rappelé tout ancien président Jovenel Moïse qui était invité dans une interview dans média dans capitale haïtienne. Non, ancien président Jovenel Moïse dans question journaliste posé sous dossier assassinat ancien président, ancien bâtonnier, l'autre avocat Port-au-Prince, mais président, il fait connaître que c'est madame ni, Martine Moïse, qui t'a pral informé sous question la mort mon Ferrier. Et selon ça que Jovenel Moïse lui-même t'a fait connaître, il t'a clairement dit que mon Ferrier Dorval, on a dit que le mourit à 4h15 et puis à 4h17, vidéo, image te guetant dans la rue et c'était ancienne première dame nan madame ni Martine Moïse qui lui-même qui t'a montré photo ak vidéo la mort mon Ferrier Dorval. N'a rappelé que après nouvel assassinat mon Ferrier Dorval, brillant avocat bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince, eh bien, ça t'a un gros coup pour avocat dans Barreau Port-au-Prince et avocat dans 18 juridictions pays. Parce que yo t'ai essayé de comprendre que pour ça que mon Ferrier Dorval t'a présenté, capacité, compétence, li, ça que lui-même li t'a vaut en termes de valeur en d'un pays. Eh bien, yo trouvé que c'était un gros cerveau, un gros valet témoin en d'un pays. Et nous songez que mon Ferrier Dorval, il t'a fait un gros débat, il t'a mené un gros plaidoirie sous question amendement constitution dans la période ça que ancien président Jovenel Moïse lui-même était voulu engager dans sa capable briller mais changement constitution. Mais mon Ferrier Dorval dans un pile émission qu'il était invité dans la presse, dans un pile en dit des conférences débat qu'il t'a intervenu, il t'a avancé par A plus B sous causer changement constitution que Jovenel Moïse dans lui-même que t'a parlé de lien. Et gapé mon qui te comprendre que la mort mon Ferrier Dorval l'italien s'andré les deux bras politiques derrière et en même temps tout gè le monde qui dit que la mort mon Ferrier Dorval en tout t'a gagné deux bras juridiques parce que les que mon Ferrier Dorval rivé dans tête bas au Port-au-Prince, il était décidé pour mettre l'ordre, pour il était décidé pour mettre discipline en dedans barreau Port-au-Prince parce que t'es un ensemble de avocats ou ensemble de nek qui en dedans barouan, yo pa gen comme si qualification pour que yo tap travail en dedans bien ploté normalement avocat qui affecté à Barreau Port-au-Prince. Et en pe moun te fait comprendre que batonni a mouri tout parce que li t'a fait une réforme constitutionnelle, une réforme juridique en dedans Barreau Port-au-Prince qui donc en pile débat en pile parole t'a dit sous la mort bâtonnier, l'autre avocat Port-au-Prince, qui se met mon Ferrier Dorval. Nous avons décidé de faire parler ça, puisque l'information est là. Il y a un peu de monde qui est arrêté.
dans quatre dossiers ça, mais nous comprenons bien et en plus monde toujours dit défense des droits humains, acteurs politiques, était toujours dit clairement Martin Moïse c'est un élément clé, c'est un élément important dans la mort assassinat Montferrier Dorval, même à titre témoin que avocat jusqu'à inscrit dossier t'a dû attendre Martin Moïse. Et ça fait je dis ouais que eh bien juge d'a invité juge Martin Jean-Claude invité ben il pas répondre invitation juge là selon avocat que ce temps là parce que expliquer que raison insécurité ancienne première dame qui a recevoir ou ensemble menace il sentit que pas en sécurité dans déplacement pour t'a répondre question juge Martin Jean-Claude qui a inscrit dossier assassinat Montferrier Dorval. Le point d'actualité, on a venu avec la question et question de sécurité, question de criminalité. Et jusqu'à présent, opinion à partager dans les divers citoyens de la capitale haïtienne, sous question éventuelle force multinationale qui t'a dû débarquer dans le pays. Mais opinion partagée, mais de si là qui quoi que je dis, situation que pays qu'on est là, mais faut que la police dans un moyen pour venir aider. Aider la bataille contre question gang yo. Mais qu'est-ce là qui dit que eh bien, la police nous, hein, l'État nous, hein, si bien encadré police, nan, il est capable de résultat. Bref, évitez nous suivre étant des reportages ça avec concernant Sandra Lemaire dans La Voix d'Amérique. Haïtiens exprimés au mélange optimisme avec scepticisme semaine ça par rapport avec plan Nations Unies gagné pour voyer force pays Kenya aider Haïti contrôler gangyo. L'ONU a mené effort depuis plusieurs mois sans succès pour joindre solution pour crise Haïti à cabine plus grave chaque jour. Pas gagné en pile pays qui volontiers pour contribuer soldats pour Haïti après plusieurs années d'intervention internationale. Tandis que en pile haïtien te bat bravo pour décision Kenya te prend pour le diriger aux forces multinationales et puis aider le mette fin en paquet sans cap couler à gen l'autre monde qui pas d'accord pour une force internationale vin dans pays a yo gen doute tout sous mauvais dossier droit monde force police Kenya c'est l'état de vendre pays à gang yo pas yam des amis gang yo. Et l'on va regarder où est gang c'est gang l'état oui parce que c'est pas gang l'état oui qui de côté l'état pour faire route pour nous passer nous pas faire route pour nous passer pour la condition ça nous obligé ça c'est sécurité nous besoin nous obligé à accepter mais c'est pas droit pour David piloter mais si c'est aider à piloter de nous des amis gang nous pas game pour aider des amis nous la gagne de bras balancés là nous résignons nous n'a pas accepté pour nous faire une sécurité. Kenya envisageait voyer 1000 policiers en Haïti pour faire face à gangyo. Les États-Unis appuyaient OFSA. L'ONU estimait qu'il y a une grosse portion Port-au-Prince qui en bas contrôle gang criminel. Moun nan kapital la attend à ce que ça a changé avec opération militaire. J'ai force à poser défi pour force police Kenya que organisation droit moun accusée depuis longtemps de assassinat Tupizi et puis l'ouvrisam sous civil pendant couvre-feu qui était en place pendant la pandémie COVID-19 là. Un groupe local confirmé policiers ont été tirés et touillés plus passé 30 moun dans mois de juillet à puis fort moun sa yo c'était dans quartier défavorisé Kenya que yo été touillé yo pendant yo t'a participé dans manifestation opposition ont été organisée pour protester contre la vie chère. En Haïti, la police Kenya t'a dirigé mission hein, au lieu de répondre l'ordre du commandant l'ONU passé Bayo, Jean Satekon fait dans mission traditionnelle maintien la paix dans le passé. Premier ministre haïtien Ariel Henry déclaré mardi que il était parlé avec président Kenya William Ruto, côté il était remercié pour démonstration solidarité fraternelle. La bien retirer nous aider nous retirer les armes dans pays pour élection faite. Pour nous sortir de côté nous hier. Parce que nous sommes sortis de côté nous hier. Parce que si les gens qui là pas qu'à aider nous, égal nous tout pas qu'à mourir un seul coup. Il faut que nous venions nous aider nous. Kenya envisageait voyer un groupe en Haïti dans la semaine qui vient pour faire constat et puis déterminer qui ça y aura le besoin pour exécuter mission.
Dans le pays Kenya, force police là recevoir plusieurs millions de dollars formation avec support pour côté les États-Unis, Union européenne là, avec l'autre partenaire pendant l'année qui passe. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Merci avec concernant Sandra Lemaire qui est même depuis VOA Creole qui est même tape Pote banon reportage ça côté jeune diant opinion partagée dans mitet divers citoyens dans capitale haïtienne non et gensi là qui croit que vini et force multinationale ça li pral aider peuple haïtien rallier un souffle contre question gang armé qui prend pays en otage mais gen moun qui trouvait tout que présence force étrangère ça tout li pral quitter de conséquences pour nous parce que en pile force qui passait déjà dans pays après au final yo souvent quitté peuple haïtien dans des situations difficiles selon ça qui dit et bon côté divers si citoyens ça yo si bon côté de ces citoyens dans société yo même yo partage opinion yo mais en même temps tout gen divers militants politiques tant coup Reginald Dumé qui c'est un petro challenger et qui c'est un responsable mouvement 29 mars li même tout li croit que ça fait et force étrangère ça li pas pouté résultat pas pouté réponse et il dit quoi que vini force ça et de parler avec pouvoir Ariel Henry pour le consolider pour le retirer ce pouvoir dans ça Reginald Dumé li critiquer comportement pouvoir en place en comportement l'épée vague Ariel Henry lui-même gagné pour le rendre pays à trouver la situation ça pendant que Reginald Dumé annoncer que y a gè poupi le béton hein y a gè pou al planter piquet yo d'ouvre porte ka PM nan Delma 60 nan jou ka venir la yo on suivi un reportage avec confrère nous Renan Toussaint pour plus de détails nan jou ka venir la yo conseil sécurité nations unies hein a gè pou statuer sur validation ou pas yon force multinationale en Haïti nan cadre GFOP pour aider police haïtienne nan éradiquer bandi armé yo qui pas jamais suspendre si mes deuil dans mitan population hein à appauvrir davantage citoyen ak citoyenne yo en Haïti. Reginald Dumé yon petro challenger qui fait partie mouvement 29 mars yon structure sociopolitique qui regroupe plusieurs dizaines organisations ak partis politiques parmi yo challenger populaire ak force kadapi ve réveillé par ouais démarche ça de bonnay. Question, intervention, c'est pas ça nous besoin, c'est nous pour nous défendre nous. De Saline dit, chaque dénaïs c'est son soldat. L'en a sorti, fond armé, avec boum, sortier, bois de bacat, bichou d'état nommé nous, 22 août, pour nous faire réponse là avec dans l'inversion. Dans ce sens, Rebe Nonsan, alias Dizaï, qui fait partie, même si tu mouvement 29 mars là, annoncé un calendrier mobilisation à partir 14 août prochain contre insécurité et kidnapping. Pour réclamer démission Ariel Henry, notre primature. Les 14, rendez-vous cassé qu'à fois le bord. Les 20, rendez-vous cassé devant primature. Les 22, son manifestation, 7 têtes liées dans le pays. Nous allons regarder pour nous. Si le peuple haïtien est de la vraie, nous allons regarder pour nous si le peuple haïtien a des problèmes. Pendant ce temps, discussion politique directe, tant même entre Premier ministre Ariel Henry, acte dans l'opposition avec le secteur économique là sur un cadre de négociation politique dans l'idée pour joindre un consensus politique largement large pour résoudre la crise là dans le moment gouvernement haïtien apparaît pour recevoir 19 août prochain une mission évaluation pays Kenya par rapport à force multinationale Kapalia. Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Merci en pile confrère Renan Toussaint qui est même vraiment t'a partagé avec nous là eh bien opinion cap continuer partager mes positions bon côté différents militaires de base dans quatre dossiers qui gè pour avec force étrangère ça et garder tout comportement le quartier primatia qui c'est docteur Ariel Henry qui a critiqué en pile pour comportement l'épée vague qu'il gagné et qui pas vraiment sécué colle pour te rendre que pays en lui-même peuple haïtien li suspend victime en bas griffe en bas main nek armé non pays d'Haïti. Toujours question ça, on apprend que gain une délégation kenyane qui t'a doué river aux États-Unis dans fin mois d'août 2023 côté que délégation ça prête à parler avec responsable dans Washington DC sous question éventuelle débarquement ben déploiement force étrangère ça puisque nous connaît que autorité dans pays Kenya yo surtout ministre des Affaires étrangères pays Kenya qui c'est Alfred Mutua, il était clairement dit que non déclare ce qu'il t'y fait
que le pays Kenya déjà a mobilisé 1000 policiers. Ok, 1000 policiers pour venir accompagner la police nationale d'Haïti. En même temps, tout que pays Kenya vle potel comme candidat pour que l'ICA mène et troupe sa force multinationale sa pour venir aider l'État haïtien, pour venir battre aider peuple haïtien, bataille contre question armée. C'est même je que force Abgé pour arriver dans niveau Washington dans fin mois d'août, pour nous dire bien année 2023. Mais en même temps, tout que n'a fait qu'on est que on t'y rappelle dans date qui a 19 d'août 2023 mais normalement tu as dû gagner une mission évaluation kenyan qui t'a dû arriver dans pays hein, pour venir travailler avec police nationale d'Haïti hein, en même temps avec autorité dans l'état pour arriver bataille contre question insécurité hein. Pendant que n'a rappelé toujours mais 15 d'août t'a gagner pour arriver là secrétaire général des Nations Unies hein, Antonio Guterres a gagné obligation pour présenter proposition de travail détaillé par le Conseil de sécurité de l'ONU pour regarder comment que yo pral mobiliser, comment que yo pral faire ça les déploiement force étrangère ça en dedans en pays d'Haïti. N'a dit bien que c'est dans date qui était vendredi 14 juillet 2023 passé hein, à l'unanimité mais pays membre Conseil de sécurité de l'ONU te voter résolution ça pour te dire oui yo tout d'accord pour gagner une force étrangère, une force robuste qui pour entrer dans pays et force étrangère ou bien force robuste ça li pral composé avec en majeure partie ap gen pi fort sa kap la dan c'est ap de policiers étrangers au lieu de soldats ap gen soldats la dan tout mais ap gen plus policiers dans force multinationale ça et nous songe que émissaire américain Todd Robinson monsieur était clairement dit que gen une somme ou enveloppe qui ça s'est évalué de 200 à 400 millions de dollars américains pour que y a mobilisé là, y a rassemblé là, y a collecté là pour capable permettre que mission soit capable joindre les que débarquer dans pays d'Haïti. Et jusqu'à présent que mon cap dit que qui ça qui pral vrai et mission ça cap venir dans pays hein? OK et pour combien de temps tout y a débarqué dans pays hein? C'est autant de questions en plus monde a posé sous présence éventuelle mission étrangère ça qui gè pour débarquer en un pays hein? Côté que chef gouvernement docteur Ariel Henry ensemble avec ministre des affaires étrangères haïtien qui c'est Jean-Victor Généus et tout gouvernement en entier yo té tombé d'accord pour que mais étrangère capable venir aider nous dans bataille contre question insécurité contre qu'il soit gang armé en un pays. N'a dit c'est pas seulement pays Kenya qui déjà mobilisé, qui déjà préparé pour venir aider l'État haïtien dans bataille contre question gang armé en un pays. Gen beaucoup de autorités dans pays Bahamas yo, yo déjà mobilisé 150 soldats bahaméens pour venir aider et l'État ici bataille contre question de sécurité. Hein? Jamaïque lui-même tout, li dit mobilisé pour déjà vin permettre que yo bataille contre question gang armé en un pays. Hein? Gen pays Chili en même temps, Canada, Royaume-Uni, yo tout ensemble, yo tombé d'accord pour venir aider l'État haïtien. Bataille contre question banditisme, bataille contre question nek armé en un pays. Hein? Mais n'a dit bien que journée mardi 8 août 2023, n'apprenne que selon médias en ligne Valbef Info, mais n'apprenne que situation était très compliquée dans zone tabar jeudi an, côté en pile coup de balle tap chanté dans diverses localités dans périmètre presque ambassade américaine et ça qui t'est créé au gros panique en dedans ambassade américaine nan. Mais n'apprenne que ambassade États-Unis à Port-au-Prince là n'est pas fermé. Je dis en là, l'ambassade nan li même li clair que li pat ka founi ba un ensemble de services avec moun ki te vin exactement et ba vin pran service mais li essaie à limiter. OK, yo essaie mettre contrôle, garder comment que yo même en soi yo capable gérer situation hein, et empêcher que yo gen de moun ki victime soit de personnel qui victime y a essayé gérer ça, y a essayé et contrôler ça.
gagné trois présumés et bandits qui fait partie du groupe gang Canaran que Dief a dirigé dans bloc ça. Mais trois présumés bandits sont tombés matin mardi 8 août 2023 dans Boukanté coup de balle avec force l'audio dans Rutibob ça qui trouvé là dans quartier Bon Repos dans commune Croix des Bouquets. Mais présumés bandits ça yo ou joignent la dengue Klaus Wiginski qui fête 22 janvier 1998 et qui tombait avec deux autres acolytes dans Boukanté coup d'âme avec la police nationale d'Haïti. Selon autorité policière, yo fait connaître que messieurs Sayo yo spécialisé yo dans raler les âmes sous moun pour voir les affaires moun. Yo violé mesdames yo fait ça les yo détourné camion marchandises. Et yo arrêté yo tout pour question détention illégale zam à feu. Et n'a dit on l'autre côté la police fait connait que mais après que yo fin mettez dominanger présumé bandit sa yo mais yo rivé récupérer un 9 mm un zam calibre 9 mm nan men ravisse yo d'après ça qui dit bon côté et force l'audio. Je te dis en tout gagné situation qui est même tellement compliquée par rapport avec ça qui a passé là en un pays. N'a dit clairement que gagné deux présumés bandits qui ont même là joine Sanrelé Boiscalé justice populaire peuple dans lui-même lancé là dans non dans date qui était lundi 7 août 2023 mais dans localité sacrée Nandrin qui trouvait la commune Pétionville gagné deux présumés bandits que moun nan zone sa bay Boiscalé et yo identifié deux présumés bandits sa yo comme moun qui yo même ta fait partie groupe gang Krasé Barrière que vite l'homme innocent a dirigé et habitant dans localité ça fait connait que oui yo identifié monsieur sa yo qui kon habitié a patouye moun qui kon habitié a commettre des actions malhonnêtes nan un quartier ça et je dis yon yo décidé yo même pour réagir pour yo capable poser action contre nèg sa yo. La police nationale d'Haïti n'apprend que selon autorité policière yo posé la patte sous deux présumés bandits qui yo même ta fait partie groupe gang 400 Maouzo qui a opéré dans Croix des Bouquets. Selon force l'audio, deux présumés bandits sa yo, et bien, yon rele Jean Pradel Anaxé, et puis l'autre rele lui-même Baptiste Jean Onel, Jean Pradel Anaxé, et Baptiste Jean Onel alias Dodo. Jean Pradel Anaxé, monsieur Gué 74 l'année sous tête li, lycée yon retraité. Dans le pays États-Unis qui débarque en Haïti, monsieur gagne plusieurs business, il gagne plusieurs fonctionnement que l'a réglé dans Croix des Bouquets, mais dans la question que la police te pose, il n'y a pas de répondre, il n'y a pas de dire exactement qui côté li joine l'argent pour que li capable mais pour acheter ou bien gagner ensemble de biens ça yo. Et pour qu'on y a mais Jean Pradel Anaxé ensemble avec Baptiste Jean Onel, yo a réfléchi nan men autorité policière ak autorité judiciaire yo. N'ap di la bien situation criminalité, zak insécurité, zak kidnapping qui persiste pendant grandi dans capitale haïtienne nan. Mais selon responsable dans UNICEF, yo fait connait que ben pour 6 premiers mois yo, sorti de mois janvier pour arriver mois juin là, ce passé là, pour pipiti 300 femmes ak ti moun qui kidnappé en bas action bandi yo. Sorti mois janvier pour arriver mois juin pour pipiti gagner 300 femmes ak ti moun qui kidnappé en bas action bandi yo, selon responsable dans UNICEF qui lui même présenté un rapport détaillé sous question ça d'après ça au même yo fait connait et dans ce ça yo mandé avec autorité concernée yo dirigeant qui dans l'état yo pour prendre responsabilité pour capable résoudre question insécurité que peuple haïtien lui même la vive dernier temps ça yo en pays. Et n'a dit bien question n'a prêté avec dossier la justice dossier sécurité que ne connaît que ça c'est quelques 2 semaines là que la police t'a arrêté plusieurs artistes à parmi yo Bourik de la Talaye. Mais monsieur que selon ça qui dit bon côté force l'audio
Il était dans machine avec plusieurs amis. Yo tap pral réalisé, shooté, filmé en vidéo en dedans zone village de Dieu. Et nous connaissons en village de Dieu, c'est Toro Sacré, les Iso Cap dirigé ensemble avec Mano. Mais la police trouvait que Bourik de la Talaye, l'ita gagné de rapport avec Atis Iso 5 secondes. Et ce jour-là, l'ita pral mené l'ita pral shooté vidéo ça. La police qui t'a arrêté dans la machine ça avec plusieurs amis et monsieur yo Kikounia sous contrôle autorité judiciaire yo. Et bien après que Bourik de la Talaye lui-même qui pas porté le bien récemment yo t'est allé avec l'hôpital général que t'a prend soin et en plus monte capable garder nos vidéos comment que état santé Bourik de la Talaye a détérioré. Et pour jeudi 18 août 2023, mais Bourik de la Talaye li clairement à répondre question autorité judiciaire yo, yo t'ai allé avec li dans paquet Port-au-Prince avec tout l'autre zami qui t'ai avec dans machine ça et pour kounya jusqu'à présent Bourik de la Talaye li toujours rete dans main autorité policière ak autorité judiciaire yo et en pile famille artiste zami li yo tout débarqué a continué demander justice, libération pour que Bourik de la Talaye. Le point dans le journal là, nous allons venir avec dossier ça, c'est concernant dossier la mort journaliste senior Liliane Pierre-Paul. N'a pas rappelé quitter Pays la Ville Britsoukou et lundi 31 juillet, hein, après que il parlait de crise cardiaque qui frappait Liliane Pierre-Paul qui mourit. OK? Et ça, c'était une grosse nouvelle triste pour famille, pour la presse haïtienne, pour Radio Télé Kiskeya, collègues, collaborateurs, yo, dans l'espace ça. Mais il clairement que dit, je dis là, mais aller, la mort Liliane Pierre-Paul, il quitte un gros vide, dans mitan tout le monde, quitte qu'on est Liliane, quitte qu'on collabore ensemble avec lui. Mais l'occasion, il y a deux journées hommage qui a organisé dans mémoire Liliane Pierre-Paul à la veille, nous capable dit funérailles dans cap chanté samedi cap 12 d'août là dans parc Sainte-Thérèse dans Pétionville côté que yo pral rend Liliane Pierre-Paul yon dernier hommage dans jour ça pour ça qu'elle était représenté dans pays comme un modèle de résistance pour liberté la parole pour liberté d'expression dans presse haïtienne et n'a pas rappelé Liliane Pierre-Paul, li mouri 31 juillet 2023, à l'âge 70 l'année sous tête li. Bon, m'invite nous suivre concernant dossier de journée hommage pour Liliane Pierre-Paul avec confrère nous, Yves Manuel pour la Voix d'Amérique. Deux journées hommage prévoient pour saluer mémoire journaliste vedette là. Première célébration a fête dans le palais municipal d'Elma, jeudi 10 août 2023. Côté amis, proches et même communauté capable de recueillir et partager souvenir Liliane Pierre-Paul. Événement ça a permettre tout silayo qui influencé par travail li personnalité exceptionnelle liée rend li en dernier hommage. Deuxième journée hommage là a déroulé dans jardin Kiskeya.